tous, chers mortels, c'est Dragmar, et ça y est, je reviens sur la chaîne après deux semaines de pause, et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors, on commence par les bases pour la chaîne manga. En termes d'abonnés, nous sommes passés de 260 à 276 abonnés, plus 16 abonnés. En termes de vues, 26 167, on est passé à 31 138, plus 4 971, alors c'est à peine 40 vues de plus que le mois dernier, mais il faut vous dire que j'ai rien fait pendant deux semaines, donc c'est quand même beaucoup. Si j'avais été actif sur les deux dernières semaines, j'aurais peut-être fait le double, hein, allez savoir, en tout cas. Donc, du coup, ça y est, je reprends la chaîne manga, et du coup, pourquoi je me suis arrêté? Alors à la base, ça devait être une semaine de repos, et c'était même pas censé être un repos où je ne faisais rien, je comptais faire une semaine un petit peu classique, où je faisais des avis manga, et voilà, ça me permettait de me poser un petit peu pour faire d'autres choses. Mais, j'ai considéré qu'il fallait mieux faire une grosse pause. Je vous avoue, j'ai eu totalement la flemme. J'étais en fait... Ce que j'ai fait, principalement, la raison de base, c'est que j'étais en train de m'avancer à mort sur le jeu vidéo pour être peinard. Ce qui est chose faite, je suis tranquille jusqu'à début mars. Là, de novembre, début novembre jusqu'à début mars, j'ai la chaîne jeux vidéo qui est remplie de vidéos préenregistrées, déjà prête à sortir, à une date fixe, voilà, tout est prêt, tout est monté, tout a été mis, c'est parfait. Maintenant, je vous avoue que j'en ai profité pour me détendre un petit peu, ça faisait longtemps, parce que là, les enchaînements de grosses vidéos, et il risque d'avoir de grosses vidéos encore une fois, mine de rien, ça en fait beaucoup. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je reprends la chaîne, mais avec une dernière semaine peinarde. Cette fois-ci, je fais quelque chose. Ce qui va se passer, c'est que de lundi à vendredi, je vais faire principalement des avis manga. Pourquoi des avis manga? Parce que disons qu'il y a eu plein de mangas très intéressants que j'ai pas pu vous présenter. Frère Alloué, j'ai pas d'autres noms, mais je les retrouverai en regardant les titres, mais il y avait pas mal de mangas très très intéressants que j'ai pas pu présenter du coup. Donc, voilà, ça, c'est le truc pour cette semaine. Après, la vraie reprise de la chaîne, c'est-à-dire avec le lundi les sorties de la semaine, les mardis les lectures manga, les mercredis un avis manga, le jeudi c'est la rubrique d'Agiman, et là il y en a une très grosse qui arrive, le vendredi un avis manga, le samedi, le dimanche une vidéo spéciale. Alors ça, je vais voir, est-ce que je reste sur ça tout de suite ou pas. Enfin, vous voyez que bon, c'est comme des très grosses vidéos qu'il faudra que je prépare très longtemps à l'avance, à la limite, et mine de rien, c'est beaucoup de boulot, vous voyez, donc j'ai profité un peu de cette semaine pour finir de m'avancer sur 2-3 autres trucs, mais on verra, voilà. Donc, voilà, ça ce sera la reprise classique lundi prochain. Donc je tenais quand même encore à vous remercier pour votre patience, pour ceux qui m'ont dit, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, on continuera à suivre tout ça. J'en ai eu quand même quelques-uns, que ce soit en privé, que ce soit en commentaire, tout ça, donc ça fait plaisir, je vous remercie de votre patience. Ça c'est pour la chaîne manga. Alors pour la chaîne jeux vidéo, en termes d'abonnés, on est passé de 1750 à 1720. Oui, on a baissé de 30 abonnés, mais bon, je m'y attendais un petit peu, c'est normal. Et encore, je trouve que c'est pas tant que ça au final de baisser. En termes de vues, on est passé de 7914 à 8283, donc plus 369 vues. Bon, c'est carrément moins qu'avant, mais c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Maintenant, il n'y a plus les vidéos one time, donc c'est normal que ça fasse pas autant. Et en fait, le petit truc, c'est que j'ai fait un peu de ménage aujourd'hui, j'ai refait quelques playlists, j'ai viré certains anciens let's play que je n'avais pas fini, genre j'avais commencé Paper Mario, la porte millénaire, mais j'ai fait genre 4 vidéos, j'ai retiré tout, Skyf Arcadia, j'ai tout retiré, Pokémémo, j'en ai jamais fini un seul, je les ai tout retirés, les Grandes Fantasia que j'avais fait à plusieurs, je les ai retirés, je n'ai gardé que le Nécromancien et la partie avec Shinoef, voilà, j'ai gardé que les trucs qui étaient encore en cours. Les let's play qui étaient terminés, ou ceux qui ont été presque terminés, tels que Little Big Adventure, il ne me reste pas grand chose à faire avant de finir le jeu, il faudrait que je le rattrape, justement celui-là, parce que je suis vraiment sur la fin. Voilà, voilà, à peu près tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Pour ce qui est de la chaîne en tant que telle, alors Pokémon Rouge Feu a été fini, ça y est, je suis arrivé jusqu'à League Pokémon, j'ai terminé, et ça s'est fini vendredi d'ailleurs, là il y a eu Overcook aujourd'hui, samedi j'ai rien mis, il faudrait que je remette quelque chose pour Jeff, et à partir de lundi, il y aura Fire Emblem sur GameCube jusqu'à mars, début mars comme je l'ai dit, donc ouais, ça va être un très très long let's play de 3 mois, parce que c'est des vidéos de 20 minutes et il y en a une qui sort par jour, le jeu est extrêmement long, c'est plus de 30 heures de jeu, bref, il y a de quoi faire. Voilà, ça c'est jusqu'à début mars. Pour la suite, alors pour la suite je suis un petit peu en réflexion. Là actuellement, pendant que je fais cette vidéo, je suis en train de monter Resident Evil 2, le remake que j'ai fait en live. Voilà, je l'avais fait sur la chaîne en live tranquillement, et là je suis en train de le monter pour qu'il soit prêt. C'est pas dit que je le mette juste après Fire Emblem, mais au moins toutes les vidéos seront prêtes et j'aurai plus qu'à les mettre en ligne.
Voilà. Est-ce que c'est lui qui va sortir juste après comment dire, juste après le Fire Emblem, je ne sais pas. Il y a aussi Pokémon. Alors quel Pokémon? Je vous laisse la surprise si jamais ça arrive. Il y a un Pokémon que je voudrais faire. À la base, je voulais faire un Pokémon entre chaque jeu, mais je sais pas. Je suis en pleine réflexion dessus. Je suis quand même en train d'en préparer un au cas où. Voilà, au cas où je suis en train de faire. Là, je suis en train de tourner sur. Bah, rien dans TV, je suis en train de le monter. Je suis en train de filmer un petit peu Pokémon et un Zelda aussi. Zelda, pareil, je vous laisserai la surprise de quel Zelda. Le problème, c'est que sur émulateur, bah, ça bug un tout petit peu Zelda, le Zelda que je suis en train de faire. Donc, bon, ça passe, j'ai réglé quelques problèmes, donc c'est un peu mieux maintenant. Mais voilà, donc là j'hésite entre Resident Evil, Pokémon ou Zelda. Je verrai selon mon avancée, je pense que je vais finir de mettre Resident Evil. Il y a de grandes chances que Resident Evil soit mis juste après Fire Emblem, mais c'est pas encore sûr à 100%, il faut que j'y réfléchisse encore une fois. En fait, mon objectif final, ce serait que la chaîne jeux vidéo soit avancée, attention, jusqu'à l'année prochaine, c'est-à-dire jusqu'à décembre 2020. Ce n'est pas d'une blague, c'est mon objectif. Ça veut dire que pendant un an, je serai peinard. Et en fait, les seuls jeux que je ferai, ce seraient les jeux en live. Donc ce serait une putain de grosse avancée. Je serais tout à fait peinard. Voilà, ça, ce serait le gros objectif final pour ma chaîne. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la chaîne jeux vidéo. Pour le samedi, toujours Grande Fantasia. Il va falloir qu'on refasse des vidéos avec XinoF. Et en fait, le dimanche, normalement, il y a Overcook. Donc là, il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui. Et il y en a une autre qui doit sortir la semaine prochaine. Le problème, c'est qu'on devait filmer avec ma chérie. Et malheureusement, elle était malade. Et je la vois pas très souvent ces derniers temps. Du coup, ça va pas être possible. Je veux dire, après la semaine prochaine, je n'ai plus de vidéo pour Overcook. Du coup, j'ai demandé à une amie si c'était possible de faire un jeu avec elle. Maintenant, on est en réflexion sur quoi. Voilà. Donc... je sais pas. Je sais pas si ça va être possible pour elle. Il faut que je réfléchisse. Il faut qu'on parle un petit peu de tout ça. J'ai 2 semaines en clair pour préparer tout ça. Et il faut voir. Parce qu'en fait, à la base, j'avais prévu de faire un truc avec XinoF, avec cet ami en question. Donc faire un jeu à 3. Le problème, c'est que le problème, c'est que là, en ce moment, XinoF n'a plus vraiment de PC. Donc c'est un petit peu problématique pour filmer. Donc, je vais voir, faut que je réfléchisse, donc peut-être aussi avec un abonné, mais avec un abonné, vous savez qu'est-ce qui me fait peur. Le problème, c'est encore une fois, à chaque fois, tu ne sais pas si tu vas finir un jeu entièrement avec lui. J'ai eu le problème avec pas mal de personnes, donc maintenant, je ne le fais qu'avec les gens avec qui j'ai 100% confiance, avec qui je suis sûr à 100% que le let's play sera terminé. J'ai pas envie de m'arrêter en plein let's play, donc voilà, faut que le jeu soit défini, faut que j'ai confiance en la personne, bref, c'est à voir, je suis en pleine réflexion là-dessus. Pour la chaîne Funny, je la mets en arrêt, pour l'instant. Alors, normalement, j'avais pour option de l'arrêter jusqu'à fin décembre. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de vidéo jusqu'à fin décembre pour que je puisse me mettre pleinement sur la chaîne manga et que je finisse en parallèle la chaîne jeux vidéo tranquille. Voilà. Et après, l'objectif, ce serait pas faire de pareil. C'est qu'une fois que la chaîne jeux vidéo sera peinard faite à 100%, je m'occupe de la chaîne Funny et qu'elle soit prête jusqu'à l'année prochaine. Voilà, ce serait un petit peu les objectifs. Comme ça, ça ferait pendant un an, je pourrais me consacrer entièrement à la chaîne manga et faire petit à petit la chaîne jeux vidéo, la chaîne Funny, voilà, mais vraiment tranquillement. Donc voilà, ça c'était pour les infos, il y a eu pas mal de trucs. Donc bon, alors, je le fais pas sur cette vidéo, mais je les ferai sur les prochaines vidéos, je vous préviens vite fait. Alors, j'aime pas trop faire ça, il y en a qui me connaissent bien là-dessus. J'aime pas trop faire de la pub à moi-même. Faire de la pub aux autres ne me gêne pas, mais faire de la pub à moi-même, ça m'emmerde un peu plus. Je vais me faire de la pub sur mon Discord, Twitter. Bon, Facebook, je n'y suis plus vraiment, je vais peut-être m'y remettre. Et je vais peut-être même me mettre à Insta, mais c'est pas encore sûr à 100%. Je le fais parce qu'en fait, mon Discord, il y aura encore du monde, il y a encore pas mal de monde dessus, mais c'est surtout ceux qui sont très fidèles. Et le problème, c'est que ça commence un petit peu à se vider, il y a de moins en moins de monde qui parle dessus, donc j'ai peut-être... Alors, pas en début de vidéo, je le rassure, je le ferai à chaque fois en fin de vidéo, je dirai juste, voilà, je vous rappelle que j'ai un Discord, un Twitter. Alors, je sais que ça a l'air de rien, que beaucoup de gens le font et tout, moi, j'ai jamais été fan de se faire de l'auto-pub à soi-même, j'ai jamais été vraiment fan à 100%, ou alors, en fin de vidéo, je le tolère. Je le tolère plus pour les autres, pour moi, je le tolère un peu moins, mais bon, là, il faudrait que... réussir à ramener un peu plus de monde sur mon Discord. Donc voilà, c'est... merci encore une fois pour votre attente pour la chaîne. Me voilà de retour, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine. Cher Mortel.